On poursuit cet après-midi de la Grande Seine. On est à nouveau très heureux d'accueillir cette bande qui est dans le petit coin là-bas. On a de la chance d'avoir des cuisiniers et des cuisinières de cette génération avec un talent aussi grand. Le Jurassien qui a appris finalement s'est enraciné dans le centre de Paris. Solide comme un roc, il a ouvert Granit. On va les accueillir, Tom Meyer et son équipe du restaurant Granit à Paris. Salut messieurs, bienvenue. Salut Tom. Rebonjour. Comment ça va? Ça va super. Bon, raconte-nous un peu cette aventure Granit qui est toute récente et qui est déjà un énorme succès, on peut le dire, hein, dans cette petite rue où il y a quand même pas mal de belles adresses. Le premier arrondissement commence à être bien saturé. Oui, ouais, effectivement. Mais on s'entend tous bien dans le quartier, donc ça, c'est quand même hyper cool. Nous, on a ouvert le 27 septembre. Donc, on a un restaurant à taille humaine assez atypique qui est vraiment sur trois niveaux différents. Rez-de-chaussée, la cuisine ouverte. Au moins un, la pâtisserie. Vraiment en bar à pâtisserie avec plutôt les grosses tables. Et le moins deux avec une cave somptueuse avec quelques petits espaces pour la production. Peut-être on peut regarder quelques images avant de commencer. On va lancer le film tout de suite pour présenter le restaurant Granit. Le restaurant Granit, on peut les applaudir. Tom, on n'a pas peur de dire que ce restaurant est une véritable adresse gastronomique avec l'envie de sortir des assiettes extrêmement inventives, créatives. Ça fait aussi écho à ton parcours et à la fois dans les adresses où tu as travaillé et puis plus récemment chez Anne-Sophie Pic où il y avait finalement une cuisine de liberté qui t'était laissé à la disposition. Raconte-nous un peu cette expérience. Voilà, donc avant d'être à Granit, sur ma première place de chef, j'ai eu la chance de partager un poste avec la maison Pic, donc aux créations. Donc j'étais très proche d'elle. On a beaucoup créé d'assiettes, toujours avec son aval, avec ses idées. On travaillait vraiment bien ensemble et ça m'a permis vraiment de développer une certaine créativité, d'avoir une ouverture sur les produits, les herbes séchées, les fleurs, une très belle connaissance. Et c'est quand je me suis senti prêt qu'il fallait se lancer. Bon, et donc se lancer, ça voulait dire Granit, ouvrir un restaurant à Paris. C'était aussi l'ambition hein, d'ouvrir dans cette ville, dans la capitale. Alors, en fait, Paris, ce n'était pas un choix absolu. C'est vraiment une rencontre avec Stéphane Manigold. C'est l'énergie de cette ville, cette effervescence qu'il peut y avoir qui m'a beaucoup attiré. Et puis aussi de savoir que je pouvais avoir une belle équipe derrière moi avec des moyens. Moi, je m'étais tâté à me lancer tout seul, mais je me suis dit qu'avec mes fonds personnels, on aurait peut-être été deux en cuisine. Là, on a pu ouvrir avec un petit peu d'ambition et on a assumé directement le fait qu'on voulait être un vrai joli gastro et on n'a pas peur de dire ces mots-là.
Eh bien, on va le prouver tout de suite. Est-ce que tu peux nous donner une vision un peu générale de ce que tu as pensé et ce que tu vas préparer cet après-midi? On a fait un petit mix des plats qui sont en ce moment et des plats qu'on a pu faire l'année dernière. Donc, le gnocchi, qui a été un plat un petit peu marquant parce qu'en fait, on a sorti une technique d'un gnocchi au cœur coulant, qui est vraiment ce côté... surprise à la dégustation, tout est dans le gnocchi, donc on a sorti une technique qui est un peu difficile mais qu'on s'est appropriée autour des coquillages, le gingembre français qui va commencer, graines de coriandre, côté un petit peu lait de coco, du curry vert, quelque chose d'assez relevé parce que la pâte à gnocchi amène beaucoup de choses apaisées, on va dire, c'est très régressif, mais il faut qu'il y ait une sauce qui envoie un petit peu. On a fait ça. On va faire une sardine. Donc ça, c'est un plat qui tourne en ce moment. Sardine, on fait un jeu sur les couleurs un peu vertes. Donc haricots verts, thé matcha et pâte de pistache torréfiée. Okay. La sardine qui est laquée avec un garum. Et après, une jolie technique autour du rouget, avec une sauce rouget, avec pas mal d'épices. Un condiment capucine, très relevé. Un garum d'encre de sèche pour l'iode. Et voilà. Eh ben, très bien, on commence. Donc, des assiettes assez graphiques, des techniques un petit peu différentes. Et on voulait axer un peu aujourd'hui le discours autour de tout ce qui va être sauce et condiments. Donc on va faire partir des petites portions pour goûter un peu l'essence du plat. Très bien. Eh bien, peut-être on commence. Enfin... On va commencer tout de suite. Donc là, on a fait une base de pulpe de pomme de terre. Simplement. Qu'on vient bien dessécher. En général, on prend de l'agria ou une pomme de terre à chair farineuse. Parce que ça va pas nous amener trop de sucre et ça va bien absorber la farine. En parallèle, il y a Luca qui va lancer la sauce coquillage. Donc là, j'ai préparé un petit peu à l'avance parce que ça demande quand même pas mal de repos. Donc ça, c'est la version du gnocchi fermé. Et ça, c'est la sauce, une fois qu'elle est faite, qui va être gélifiée avec une gélatine de poisson qui va couler complètement sous l'effet de la chaleur. D'accord, donc concrètement, c'est la farce qu'on va trouver à l'intérieur de ce gnocchi. Exactement, on a un petit peu tout décomposé. Donc ça va nous permettre aussi de faire goûter la sauce. Donc en gros, le secret de la technique, entre guillemets, ce serait de réussir effectivement à retrouver cette gélatine naturelle qui est le collagène du poisson probablement, hein, qui va permettre de figer et de garder finalement une texture coulante quand on va passer en cuisson. Exactement. Là, on le voit, hein, c'est complètement... pris quand c'est froid ou du moins tempéré, et dès qu'on va le réchauffer, ça va être coulant. Moi, je m'attelais à la farce à la pâte à gnocchi. Faut pas avoir peur de mettre un petit peu de farine parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez fin. Oui. On va chercher une texture très ferme pour que ça puisse absorber la sauce qui va couler. Faut vraiment que cette enveloppe soit complètement hermétique. Ça va être très très important. Et la référence au berlingot, je me trompe ou... Pas forcément. J'ai toujours eu l'histoire du gnocchi, ça vient de deux choses. J'ai mon chef en Suisse, Franck Giovannini, qui m'a toujours dit que pour lui, sur un menu gastronomique, c'était toujours bien quand on avait un plat à base de féculents. La pomme de terre, ça peut m'ennuyer un petit peu. Donc on voulait faire quelque chose à base de... une pâte, un gnocchi, quelque chose, on ne savait pas trop, mais on voulait que ça reste hyper gourmand. Et on s'est dit, coquillage, ça s'intégrait bien dans le menu. Du coup, on a pensé au coquillage, on a commencé à faire une forme de coquillage. On a repris un petit peu l'esprit d'un conchiglioni. Tout à fait, oui, bien sûr, cette pâte en forme de gros escargot, quoi. Hein. Exactement. Et voilà, c'est un peu ça. Et en fait, je m'étais amusé aussi quand j'étais à la Chèvre d'Or avec mon chef... Renan Kervarec, on restait les après-midi, on faisait des petits essais de garniture. Et une fois, en fait, on était sur un gnocchi, il me restait des gnocchis comme ça dans mon frigo. J'en ai mis 2-3 dans une friteuse, j'ai vu que ça marchait bien. Je me suis dit, bon, c'est marrant, on peut faire plein de choses avec une pâte à gnocchi. Donc voilà, c'est un peu... Que ça a l'air simple, hein, comme ça, d'imaginer un plat, finalement. Ah, c'est... oui. En fait, ça part de plein de choses différentes, mais c'est vrai qu'à la fin, il faut bosser dessus, parce que la technique... fallait un petit peu la trouver quand même. Donc là, j'ai une pâte qui est bien bien ferme. En général, on pèse. Ce qui est important, c'est ce rapport entre la farce et la pâte. Quand on est au restaurant, on pèse, on fait 40 grammes de farce pour 40 grammes de pâte à gnocchi. Donc voilà, on le voit, elle est bien bien ferme.
Donc tu as envie vraiment d'avoir une texture, hein, presque d'ailleurs le gnocchi qui a vraiment finalement un cœur coulant, comme on pourrait dire, finalement un peu comme un petit, le fameux cœur coulant au chocolat de Brasse, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de liquide à l'intérieur, mais la pâte elle est plus ferme, on va avoir une vraie texture. Exactement. À casser presque. Hein. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc là, je le fais comme ça. On va positionner la farce au centre. Donc ça, c'est tempéré, ça ? Ou ça sort vraiment fait, du froid ? Tout ce qui est travail autour de la pomme de terre, il faut toujours travailler de façon tempérée. Bon, là, c'est une scène, on le fait un peu différemment. Mais quand on est au restaurant, tous les matins, on cuit les pommes de terre et on les travaille à température ambiante. Le temps qu'on fasse la pâte, elle est à 50 degrés. Le temps qu'on la travaille, elle va descendre aux alentours de 15-20 degrés. Très bien. Et ça, c'est très très important, parce que sinon, on peut avoir un côté un petit peu élastique qui va pas forcément fonctionner. Il faut savoir quand même, pour la petite histoire, ça a été un peu le cauchemar de Granit aussi, hein, parce qu'on s'est embarqué dans ce plat. Au début, on maîtrisait la technique sans trop la maîtriser aussi. On a eu un peu de casse. Tous les mecs qui passent aux garnitures, déjà, ils passaient beaucoup de temps dessus. Et c'était un peu leur cauchemar quand il y en avait qui commençaient à casser. On a mis vraiment beaucoup de temps à caler la recette. Je pense que les trois premiers mois du restaurant, toutes les semaines, on a dû changer la farce, la pâte, jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc là, on vient souder. J'ai mis un tout petit peu d'eau pour venir coller. On cherche juste à faire une sorte de colle. On vient souder ça un petit peu comme un gyoza. Donc on voit la soudure, elle se retrouve en dessous. On l'a plaqué. Et on retourne. Et donc là, on a vraiment cette forme de gnocchi, un petit peu coquillage. C'est pas obligatoire, mais souvent, suivant les versions, on aime bien le strier comme on le voit, comme on peut le voir ici. Oui, comme un clin d'œil au gnocchi à nouveau, bien sûr. Oui, un clin d'œil au petit conchiglioni qu'on aime bien. Voilà. Alors, après, on n'a pas parlé de la cuisson, mais qui est très importante. Parce que je t'ai entendu parler de friture. Alors, en fait, on va chercher, on a essayé beaucoup de choses différentes. Au début, quand on a fait ce plat, on l'a fait uniquement au four vapeur. Moi, j'ai pas peur d'un gnocchi qui peut être un petit peu collant, on va dire. Sauf qu'en fait, il y a plein de gens, pour eux, les gnocchis, c'est l'ustu cru. Donc, c'est quelque chose qui est ferme parce qu'en fait, ça leur évoque quelque chose à base de semoule et pas de farine et pas de pommes de terre. Du coup, on s'est adapté, on s'est dit, bon, pour que ça leur plaise un peu plus, comment on peut le faire. Et maintenant, on le cuit comme un gyoza. D'accord, donc ça va être sur dans une poêle, hein, littéralement. Exactement, donc là c'est dans une poêle, on va le marquer à l'huile, tranquillement, on va chercher une caramélisation. Ensuite on va avoir un four vapeur à 100 degrés. On va les cuire ce gnocchi à environ 7 minutes. Le but c'est de choquer un petit peu la pâte pour qu'elle soit saisie et qu'on ait toujours le cœur coulant qui résiste. Et on les garde comme ça pendant le service et au dernier moment, on les repose sur la plancha pour rechercher ce côté caramélisation. Donc là, voilà, on va l'adapter un petit peu par rapport à ce qu'on fait ici. On voulait vraiment vous le montrer sur la scène d'Omnivore, parce que c'est vraiment une recette qui a été très importante pour nous. Mais c'est bien quand on le fait dans nos conditions. Dans ta cuisine. Exactement. Et je parlais du Jura. L'année dernière, on avait Mathias Marc, ton camarade, qui lui... Allô, allô. Oui, on m'entend ? Oui. Ok, moi j'ai plus de retour, Royette. Ah. Je parlais de Mathias Marc qui, lui, avait un lien très fort avec le Jura. Là, on est assez loin du Jura, tu me diras. Hein, des coquillages et un gnocchi. Coquillages, gnocchi, effectivement, en fait, moi j'ai jamais. Je suis un cuisinier des terroirs froids. Ça m'a toujours intéressé de mettre des petites touches. Mais c'est pas non plus mon cheval de bataille. Je travaille vraiment au sentiment. Je m'interdis rien. Parce qu'on est à Paris, j'estime que c'est une ville cosmopolite. On va chercher un sorting très proche. Mais en termes d'inspiration, nous, on se nourrit de plein de choses. On aime bien tout ce qui est très puissant, très condimenté. Donc là, vous allez voir, hein, on va vous faire goûter la sauce dans le public. On est vraiment sur quelque chose de très relevé. Hein. Ça, c'est important. Je vais te laisser avancer sur cette recette. Il y avait un terme que tu m'as donné, c'était le surassaisonnement. Oui. Ça, on va en parler parce que c'est presque contre-intuitif qu'un cuisinier parle de surassaisonnement. Ça veut dire que c'est trop salé, c'est trop puissant, c'est trop quelque chose.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et quel intérêt tu as à aller chercher justement cette idée du surassaisonnement auquel tu tiens, hein, littéralement? En fait, pour nous, le surassaisonnement, on se dit que je les forme vachement comme ça en cuisine. C'est qu'en fait, nous, quand on met un élément dans un plat, si on dit capucine, on veut sentir la capucine. La capucine, quand on en mange comme ça, c'est très piquant, c'est très radis. On va pas chercher à masquer son goût parce que le produit, il est comme ça. Donc le tout, c'est de lui mettre la juste dose au bon endroit. Et en fait, on n'a jamais de la capucine dans 5 éléments. Il va être à un endroit bien précis et très fort. Et en fait, tout est comme ça. C'est comme quand on fait la sauce. La sauce, elle va être très piquante parce qu'on sait, en contrepartie, qu'on va avoir la pâte à gnocchi qui va amener un équilibre. Nous, on aime bien quand il se passe beaucoup de choses quand on mange les plats. Enfin, donc là, on va chercher à saisir le gnocchi. Donc une petite coloration, j'imagine, avec un fond d'huile d'olive, j'imagine. Oui, huile d'olive, huile neutre, une légère coloration, ça sert à rien de les agresser, ça va bien se passer. Et juste la petite sauce qui est un peu crémée ou... Alors la sauce, il n'y a pas de crème dedans. On est vraiment que sur du lait de coco parce qu'aujourd'hui, il faut quand même penser aussi aux allergies. Et le lait de coco, il va ramener un petit peu cette notion de gras. C'est suffisant pour ce côté bien épais. En fait, on est vraiment sur une base. On met le jus de coquillage avec fenouil, échalote, beaucoup de gingembre. On a notre pâte de curry, on mouille avec du lait de coco, on laisse cuire assez longtemps. Et après, suivant les saisons, suivant ce qu'on a, on peut s'amuser, on peut mettre quelques petites feuilles d'agrumes, on peut mettre les feuilles de gingembre qu'on arrive à trouver maintenant, qui sont hyper intéressantes. Voilà. Tu peux nous montrer juste à quoi ressemble la coloration en question, là? Hop. Ok, oui, vraiment sur... On est quand même sur une coloration gentille, ouais, mais comme un gyoza. Voilà, après, on va le cuire au four. Le temps de la cuisson, on va pouvoir passer sur une autre recette. Et après, on va pouvoir passer au dressage, comme ça. Donc là, je vais vous montrer dans une autre version de nos plats de granit. Tu parlais de sardines, je crois. On parlait de sardines. On va aller sur la sardine, exactement. Donc, elle est juste là. On a rouget et sardine. Hein. Rouget pour le plat suivant. Hop. Sardine. On prend des calibres quand même assez conséquents. On va l'élever en gardant une partie avec la queue. On peut le voir ici. La sardine, encore une fois, c'est évidemment l'antithèse du poisson noble. Et pourtant, il y a cette puissance en goût, c'est un intérêt gustatif très, très, très fort. Hein. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à nous présenter la sardine plutôt que le turbo ou, Moi, je suis un grand fan des poissons bleus parce que je trouve que quand on a une légère sous-cuisson, on a quelque chose d'assez fort qui se passe, c'est qu'on a une chair qui est un petit peu grasse et qui a vraiment beaucoup de puissance. Moi, j'aime beaucoup quand les poissons ils ont de la puissance. Et en plus de ça, on va l'accentuer parce qu'en fait, bon, là, elles ont été vidées. Mais les sardines, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire un garum avec toutes les chutes. Et ça nous amuse beaucoup. Ouais, ça fait partie des garums qui sont les plus puissants aussi, hein, c'est-à-dire que... Ça envoie hein, quand même un garum de sardines. Ah oui, mais clairement, si on mange tout seul, on peut dire que c'est plus ou moins dégueulasse, hein, quand même. Faut le dire, on va refaire des mots. Donc nous, on s'amuse à faire ça parce qu'en fait, on va encore pousser le goût de la sardine avec ce garum. On met un tout petit peu de jus de citron pour donner de l'acidité. Et on va pendant le service, nous, on le cuit juste à la flamme, tout doucement. Voilà, on le part comme ça, gentiment. Et donc ça, c'est toutes les petites parures qui pourraient justement être utilisées pour, pour le garum. Voilà. On a vraiment cette envie, nous, d'aller chercher des condiments avec des parties qu'on serait susceptibles de jeter. Du coup, là, nos garums qu'on utilise en ce moment, c'est ceux de l'année dernière qu'on avait pu produire. Et là, bah, justement, avec les chutes qu'on a actuellement, on relance des garums, mais il faut savoir quand même qu'il y a 3 mois pour que ça soit prêt. Bon, pour ceux qui sont là depuis ce matin, le mot garum, c'est quand même, on l'a entendu... Régulièrement, on pense qu'il se passe quelque chose au niveau du garum. Hein ? Le garum, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on a remis sur le devant de la scène depuis peu de temps, alors que c'est une méthode ancestrale. Voilà, c'est pas effectivement une technique qu'on a découvert. Les Romains utilisaient déjà dans l'Antiquité ce genre de préparation. Aujourd'hui, le gnocmam et d'autres effectivement cultures culinaires l'utilisent depuis très longtemps. Et il y a la colatura ou il y a d'autres noms d'ailleurs hein, qui permettent
de raconter ce que c'est. Globalement, on apprécie tout ce qui est saveur umami, donc on a tendance à mettre un petit peu de soja partout dès qu'on manque d'assaisonnement, parce qu'en fait, on se dit que c'est intéressant. En fait, on va se créer un petit peu notre soja maison. Bien sûr. Tout en revalorisant des chutes, parce qu'en fait, il suffit d'un petit peu de sel et de patience. Et de patience, on va dire. Très bien. Là, donc Tom, cette sardine à la flamme. Alors cette sardine, bah, je vais utiliser là le garum de sardine, donc qu'on est venu un tout petit peu épaissir. Donc Puissant. C'est puissant, mais c'est vraiment le but. Donc on vient avec un petit pinceau, on vient la laquer. En fait, il n'y a pas besoin d'assaisonner plus parce que du coup, le garum, c'est très salé. Et en fait, on va vraiment faire cette légère cuisson à la flamme. Ça va tirer tout doucement sur la plaque. Donc là, c'est vraiment voilà, l'étape de la sardine que je voulais vous montrer, que je trouve assez intéressante, notamment avec le laquage et la puissance qu'on va pouvoir avoir sur le garum. Maintenant, je vais vous parler de la sauce et de la garniture. Donc la sauce, on est parti sur une base de haricots verts. Ce que Luca est en train de faire à côté. Donc on met du lait, de la crème, des haricots verts qu'on va cuire dedans. On va essayer de faire comme un lait d'haricots verts. Et une fois qu'on va avoir cette base, quand on va mixer, on va rajouter des haricots verts crus pour vraiment chercher cette puissance végétale. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de goûter un haricot vert cru tout seul, brut. Oui. On a vraiment cette notion végétale qui amène beaucoup de fraîcheur. Mais alors attends, là on va avoir le temps de lancer cette sauce, les haricots verts vont être à peine cuits du coup. C'est hyper rapide, okay. En fait c'est comme si on cherchait à cuire les haricots verts dans l'eau, okay. Parce qu'en fait on a vraiment des goûts différents sur un haricot vert qui est bien cuit, juste cuit ou cru. Ok, en plus on a le droit de ne pas les équeuter ceux-là, ce qui est quand même pas mal. On a le droit de ne pas les équeuter visiblement. Ouais, mais justement ça nous permet aussi de faire ça parce que les pointes on les dresse dans l'assiette. Et toutes les parties chutes des haricots verts, on les utilise dans cette sauce. Voilà, c'est toujours dans le même but. Tu cherches quoi, la flamme? La flamme, elle est là. Exactement. Avec un briquet. Merci. Si tu étais dans ton restaurant, tu le ferais à la flamme ou au barbecue? Non, à la flamme aussi. Hein. On fait à la flamme. Ok. On fait à la flamme. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ça aille vite. Si on faisait au barbecue, c'est tellement fin que je pense que ça accrocherait. Donc là, en fait, c'est vrai, on voit, hein, c'est très rapide. On va chercher. Le fait de mettre du garum avant, ça va donner une petite caramélisation. Et une fois que c'est cuit, on remet un petit coup de garum pour avoir vraiment beaucoup d'épaisseur parce que c'est très important, cette puissance. Savoir que c'est une version, là on est sur le haricot vert, mais qui touche plus ou moins à sa fin. Là, on le sent. Ouais, il y a ce côté. Vraiment, ce côté aussi de sardine au barbecue, il y a vraiment. Exactement. Ça, c'est côté vraiment poisson grillé, ouais. Et après on vient relaquer, donc ça donne une belle brillance. Messieurs, c'est ça qu'on envoie en salle ou... Ça, c'est la sauce gnocchi, ok. Hop. Donc, après on va voir tout ce qui est salade d'haricot vert. Petite pointe d'haricot vert cru. Okay. Là, on l'a amené tout prêt pour gagner un petit peu de temps. Mais, donc ça, c'est ça. Ça, c'est un condiment aux algues. On fait un condiment sur une base d'œuf mollet, très moutardé, comme si on vient me monter une mayonnaise, sauf que c'est avec de l'œuf mollet. Le but, c'est que ça tienne un petit peu à la chaleur, parce que comme on pose la sardine chaude dessus, on pourrait avoir ce problème à la fin. Ça puisse trancher un peu. Ça puisse trancher. On met beaucoup d'algues dedans. Donc les algues, c'est de la pêche à pied de Jean-Marie Pédron au Croisic. Vraiment quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui fait des algues, quand elles arrivent, elles sont encore en pleine fraîcheur. C'est vraiment des produits de dingue qu'on a la chance de travailler. Donc on a un petit condiment monté à l'œuf mollet qui va servir un peu de support pour la... Exactement. Alors, hâte de voir ça. Le petit condiment, il va servir vraiment de liant dans le plat parce qu'il en faut. Et à côté de ça, on a tout ce qui est haricots verts. Donc c'est ici, on les a préparés également à l'avance. On rajoute ce petit côté haricots verts crus et les pointes de haricots
qui sont à peine blanchis. On cherche toujours un côté un petit peu cru. Ouais. On les assaisonne, ça dépend de nos envies, mais là on va pouvoir mettre une très bonne huile d'olive. On a pris pour aujourd'hui également de la sapinette, c'est un alcool de sapin de Maison 16, des gens qu'on apprécie énormément. Là, ça va donner un tout petit peu de sucre et l'alcool, ça va faire un joli liant. On en met les deux côtés. Hein. Je ne sais pas si tu connais cette maison, ils font beaucoup de choses. Ils font de la serpolette. J'avais senti chez toi. Du pastis, ils font beaucoup de choses. Hop. Et là, tout petit peu d'huile. Mais tout ça sont des produits extrêmement modestes, hein, encore une fois. C'est ça, mais en fait, c'est ce qui nous intéresse des fois, c'est d'aller chercher des produits assez simples en apparence. Mais en fait, on va aller chercher un petit peu de concentration, des différences de cuisson, ce qui va nous amuser. Et une fois de plus, là, dans ce plat, ce qui est vraiment intéressant, c'est le travail qu'on va faire sur le jeu du vert. Ce végétal du haricot vert, l'amertume du thé matcha et la gourmandise de la pistache. Vous allez voir, quand ils vont faire passer les petits condiments dans le public, ça va être assez intéressant. Très bien. Il y a des choses qui sont parties, n'est-ce pas ? Là, je pense que c'est la sauce gnocchi qui est en train d'être... Très bien. C'est la sauce coquillage, c'est sauce ça ? Sauce coquillage, voilà. Okay. Là, coquillage. Coquillage, curry. Ah bon. On a... Je l'ai mangé au restaurant. On a ça. Donc ça, c'est en train de tourner dans le public. Là, donc, haricots verts, juste assaisonnés avec donc, ce dont on a parlé. On remet du cru, c'est intéressant. Parce que quand on va tomber dessus, il va se passer quelque chose, ça va être... Vraiment. Ouais, mais c'est intéressant d'imaginer effectivement que le haricot vert peut proposer finalement une sauce, un condiment presque cru, les pointes qui vont juste rajouter ce côté très végétal, et avec un produit très simple, encore une fois, qui est en pleine maturité en ce moment en plus. Hein, c'est vraiment la saison idéale. Là, quand on monte un petit peu dans le nord, c'est une très belle période pour le haricot. Ensuite, on met quelques petites pousses. On a Luca qui est à côté, du coup, qui nous a dressé le gnocchi. Je termine ici, ouais, je vous reparle du gnocchi. Terminons là. Donc là, on remet encore... Le gnocchi, il y en aura un de dressé ou deux ? Il y en aura un de dressé, mais okay. On en a deux qui sont cuits, donc on pourrait... Peut-être, en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi la possibilité d'en ouvrir un quand même. Parce que révélation est quand même assez belle. C'est un plat qui change à partir du moment où il est dégusté. Et je pense que c'est pas mal d'avoir la possibilité de le faire comprendre. C'est hyper important de le faire pour comprendre ce qui va se passer. Parce que sinon, si on voit juste une grande tache jaune, on comprend pas trop où on met les pieds. On se dirait que tu as servi une grosse pâte. Exactement. C'est un peu notre plat régressif qui fait du bien aussi dans le menu, un petit peu qui va venir comme un câlin, alors qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus brutales. On n'a pas beaucoup de temps, hein, Tom, pour la dernière recette. Donc, on va essayer d'avancer sur le rouget également. Ouais, également. Donc là, on va laisser... On va laisser une seconde. Je termine juste la sardine. Donc là, en fait, elle a eu juste le temps de se reposer, finalement, de se détendre un peu elle-même. Exactement. Donc là, je la sous-cuis, mais je la laisse tirer sur la plaque. Donc là, on voit, on a vraiment la sardine. De toute façon, si elle était trop cuite, elle se tiendrait toute droite. Là, on voit qu'elle est légèrement tombante. On met un petit peu d'huile de thé matcha et nous, on l'envoie comme ça dans l'assiette. Huile de thé matcha. Huile de thé matcha. Très concentrée là aussi. Donc c'est vraiment, bon, on fait comme une base de thé qui pourrait faire. C'est un tout petit peu d'huile avec beaucoup de poudre de thé matcha. Et donc après en salle, on met ce mélange eau d'haricot vert, thé matcha et pâte de pistache. Magnifique, très bien. Là bon. Je vous réexplique brièvement le gnocchi. Oui, on peut applaudir cette assiette parce que effectivement, je ne sais pas si vous voyez les nuances de vert à contre-jour, là c'est magnifique. Il y a pas mal de brillance, ça donne un petit peu envie. Là, on est sur le gnocchi qui a été dressé. On a mis un petit condiment aux agrumes pour relever, quelques petites pousses. Et là, on va voir très clairement le cœur coulant. Et oui, le cœur coulant, vous l'avez goûté. Hein, on imagine du coup avec la texture de la pâte qui va rapporter un peu de, à la fois un peu de mâche et aussi voilà, une liaison particulière. On a une minute pour faire le dernier plat. Allez. Comme en coup de feu, là. Comme en coup de feu. Bon, de toute façon, concrètement, le rouget, c'est très simple. On va vous le saisir rapidement et on va faire le dressage si on a le temps. Je parle beaucoup. De toute façon, Cécile, j'ai plus d'oreillettes. Je ne t'entends pas. Si tu me gueules dessus pour me dire qu'on est en retard, je suis désolé, mais je ne t'entends pas. Donc, Après, en soi, il n'y a pas trop de problème. Il faudra juste s'énerver avec la sécurité. Mais oui. Ils ne sont pas méchants.
Donc là, un rouget que tu es en train de lever. Un rouget qu'on est en train de lever. On enlève toujours les deux. En fait, on va chercher à juste enlever le... l'arête centrale. Hop. Donc un peu comme un papillon, hein, comme exactement. On dit en Espagne. Je vous remonte juste vite fait la technique. Hein. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Hein. Là, nous, à l'intérieur, on vient mettre des zestes d'agrumes. On vient mettre, bon, on désarrête, on met les petits zestes d'agrumes. Ensuite, on vient le rouler. Je vais vous montrer l'étape. On l'a si elle est généreusement préparée. Filmé pour le transport, mais on le roule dans un papier torque pour le serrer. On va mettre du sel en plein milieu. Le but, c'est de venir coller les chairs. Parce qu'en fait, mettre du sel sur la chair du poisson, ça va activer le collagène. Hop. Donc ça, c'est l'étape juste après. Hein. Il n'a pas été cuit encore là. Hein. Exactement, là, il n'est pas cuit. On va prendre 30 secondes pour le cuire. Exactement. Je pense qu'il est cuit de peur, hein, celui-là. Ouais, mais là, il est pas loin. Hop. Magnifique. Voilà, on le voit, c'est quelque chose qui est quand même bien, bien carré. Vas-y. Hop. Et les gars, vous me préparez tout pour rouger. Comme ça, on le fait rapidement. Comme ça, on va le dresser tout de suite. Donc là, en fait, on le voit, il va... Normalement, quand il a bien reposé, là, comme c'est le cas, il n'y a pas de risque qu'il se réouvre. Hein. Tout va bien se passer. Il est bien assaisonné à cœur. Il est bien collé. On va le saisir. On va chercher un petit peu le côté croustillant de la peau. Et à côté, voilà, je fais... On prépare l'assiette pour le dressage et puis... Exactement, je vais préparer l'assiette pour le dressage. Super. Tac. Vas-y, chauffe la polenta crémeuse, histoire qu'on puisse la conclure rapidement. Donc là, ce qui est important sur ce rouget, c'est de comprendre la différence de puissance des condiments. Donc là, on a un coulis de capucine dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment de la capucine mixée avec un tout petit peu d'huile d'olive et de l'eau. Donc ça va être très puissant. À côté de ça, on a un garum d'encre de sèche. Donc quand on travaille la sèche, on prend tous les intérieurs, on les fait fermenter avec du sel et on le garde de côté. Et là, on a un côté beaucoup plus rassurant avec une polenta crémeuse, citron, parmesan, qui va vraiment faire du lien entre tout ça. Ouais. Là, on voit le rouget, il va bien. Hein. Vit sa best life, il est content. Et je vais dresser tout de suite. Eh ben, allons-y. Comme ça, ça sera fait. Hop. Même s'il est légèrement sous-cuit, pour le coup, c'est pas très grave. Non, mais c'est plus histoire de montrer vraiment le... Le croustillant, quoi. Le croustillant. Je vais prendre la polenta en premier. Mets un bon coup de fouet dedans. Hop. Ça, ça a l'air bien gourmand. Voilà, ça, on le voit. Hein. La polenta, du coup, on prend une polenta de super bonne qualité qui a été cuite vraiment longtemps. Elle est hyper lisse. Hein. Moi, je mets 10% de polenta par rapport au liquide. On peut se rendre compte que c'est quand même bien, 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 bien immergé. Voilà. Et là, en fait, on fait quelque chose d'assez coloré, graphique. C'est très simple hein, comme assiette. Mais en fait, comme les condiments sont hyper percutants... Allons-y. C'est assez intéressant. Donc la polenta crémeuse bien gourmande. La capucine. La capucine. Et on termine avec le petit garum à l'encre de sèche. Magnifique. Qui va ramener vraiment l'iode et toute la puissance. Et après, quand on a terminé, on pose notre rouget sur le côté. Et on envoie quelques capucines fraîches pour se rendre compte quand même de la puissance. Hop. Et quelques petites fleurs pour terminer la couleur. La sauce rouget, on a fait les arêtes de rouget juste rôties avec On la dresse tout de suite. Go. Et on est bon. Magnifique. Voilà. Et la sauce, on va la mettre là, mais nous, on l'envoie en salle. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce plat qui a aussi beaucoup fonctionné. Et ben voilà, on a réussi. Tom Meyer, Restaurant Granit, merci beaucoup d'avoir sorti ces trois assiettes. Magnifique.
Merci messieurs, et on se donne rendez-vous tout de suite pour la suite. Merci Tom. Merci.